Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un budget vente-achat sur Excel. Dans cette troisième partie, nous allons mettre en place notre petit tableau de bord. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors nous allons donc mettre en place dans cette dernière partie de tutoriel notre petit onglet de tableau de bord. Vous allez voir, rien de très compliqué. Tout d'abord, on commence par remplir les cases que nous n'avons pas encore remplies. Par exemple ici, le total des achats. Ça va correspondre à quoi pour l'article A, tout simplement regardez. On va donc aller ici dans le total des achats, c'est-à-dire 23 100 euros, comme ceci. On fait pareil pour l'article B, comme ceci, et bien entendu pour l'article C, qui se trouve ici. Voilà. On n'oublie pas de mettre un format monétaire. Voilà. Alors on essaye de replacer. Éventuellement aux mêmes dimensions. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On va rapporter la date max, c'est-à-dire la date à laquelle il y aura le maximum d'achat. Plutôt intéressant, regardez. Pour ce faire, on va utiliser la recherche V avec la petite astuce. Regardez, la valeur recherchée, ça va être quoi Ça va être le max. Ici, le max de quoi Regardez. Notre onglet ici euh, d'achat vente qui va donc se placer sur... alors on regarde ici normalement B 18. regardez B 18 jusqu'à ici m18. comme ceci. je ferme la parenthèse point virgule comme ceci, qu'est-ce qu'elle va être ma euh, table de matrice? Alors regardez la petite astuce que je vous prépare. ça va être tout simplement... L'ensemble de notre zone, donc qui va partir ici de B18 jusqu'à M31, comme ceci. Point-virgule. Qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir le numéro euh, de colonne. Alors regardez, petite erreur que j'ai fait, j'ai fait un recherche V. Or là, nous recherchons de manière horizontale, donc je vérifie juste ici, hop, je remplace le H, je mets. Je remplace le V par le H. Numéro de ligne, ça sera la ligne, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors si je ne me trompe pas, ça sera donc la ligne 13 comme ceci. Point, virgule, faux. Vous allez voir, je fais ça. Alors, ça me ramène malheureusement un chiffre. Pourquoi Parce que je n'ai pas mis le, regardez, les différents. Mots. La petite astuce, ça va être ça, copier, coller ici. Ah, j'ai retiré le collage, copier-coller. Voilà. Alors là, j'ai toujours le montant qui apparaît. Pourquoi Parce que je pense que je suis décalé d'une ligne. Donc, si je prends la, voilà, juillet. Donc, en fait, hein, on va chercher de toute façon la valeur max qui se situe dans cette ligne-là et on va rapatrier le mois qui correspondra. Donc, là, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire Je vais par la suite hein, mettre cette ligne avec une police blanche afin que l'utilisateur ne la voie pas. Voilà. Donc, ici, on a les différents mois. Maintenant, qu'est-ce que je propose de faire On peut éventuellement figer ici notre, nos différentes matrices. Hop, hop. Voilà, comme ceci. Regardons maintenant. Si je fais un petit copier-coller, que se passe-t-il Je suis toujours en juillet. Pourquoi Parce que je cherche le max. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre Ici, ça ne sera pas du B18, ça sera du B22. Donc on va prendre B éventuellement 22. Voilà. Pareil ici, 22. Comme ceci. Là. Donc là, on a du N, c'est normal. Notre plage de matrice, elle va donc démarrer ici à 22 jusqu'à 31, alors on en enlevait 4, est-ce que je me trompe si je dis que maintenant c'est la ligne 10, non, c'est bien celle-ci. Je fais pareil maintenant ici pour le dernier, donc ça sera quoi, ça sera tout simplement cette fois-ci, hop, le coup B26, à chaque fois on modifie juste les éléments, c'est l'avantage quand vous standardisez vos fichiers, n'avez qu'à changer des petits éléments dans votre petite cellule et tout va très bien. Donc là 26 et on passe normalement si je ne dis pas euh, si je ne fais pas d'erreur, normalement on doit être sur la ligne 6. On est donc au mois de juillet. Donc voilà, au mois de juillet, c'est là qu'on a les plus grosses ventes. Maintenant, on va copier, coller cette formule là, hop, et au lieu d'avoir max, on va prendre le minimum. Voilà, on appuie sur Entrée, donc on se retrouve avec le mois de janvier. On fait pareil ici, hein. copier-coller comme ceci, et on change le max par le min. Voilà, voilà, hop, on ne s'embête pas. Ensuite, la marge sur coût variable, ça va être quoi Ça va être égal, regardez, au total de notre dernière ligne, tout simplement, donc marge sur coût variable 57,820. On appuie sur entrée, alors bien sûr, on applique un format monétaire comme ceci, on met tout ça en gras, on augmente un petit peu la taille de la police, voilà comme ça, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on fait, bien entendu, on met en place nos graphiques. Donc pour ce faire, je vais être vraiment très très simple. Pour les ventes, regardez, on va faire égal, on va pas s'embêter. Alors, j'utilise cette petite astuce, vous pouvez éventuellement faire directement le graphique ici et ensuite faire un CTRL X, CTRL V, c'est vous qui voyez. Donc, au niveau des ventes, là on est plutôt sur le chiffre d'affaires. Donc, on le rapatrie comme ceci, copier et coller. Voilà. Alors, on met bien sûr les montants en euros. On enlève les chiffres après la virgule. Après, on rétablira bien entendu euh, les différentes colonnes. Mais pour l'instant, déjà, je rapatrie les différents montants. Donc, l'article A, donc là, ça sera euh, l'ensemble des différents coûts. Donc, pareil, on va rapatrier ici les différents coûts. Hop, copier et coller comme ça. Très, c'est très bien. Format monétaire et bien entendu, on enlève les chiffres après la virgule. Ici, article B comme ceci, voilà, et l'article C comme ça. Hop, c'est très bien. Petit copier-coller. Voilà. Non, comme ça voilà, copier-coller, on a encore. On s'embête pas, on s'énerve pas. Hop, très simplement monétaire, on enlève les chiffres après la virgule, pareil ici. Monétaire sans chiffres derrière la virgule. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'ordre dans les colonnes. Alors normalement, je crois que la longueur chez moi ici standard c'est 10 71. Donc on peut éventuellement faire ça comme ça. Hop. Largeur 10,71, comme ceci, voilà, donc comme ça on a vraiment les mêmes colonnes partout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer tout simplement euh, des différents graphiques. Donc regardez, on va sélectionner ici toutes les zones, on va aller dans Insertion, et on va sélectionner un graphique. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va prendre On peut éventuellement prendre celui-ci en courbe. On peut prendre éventuellement des courbes 2D, ça peut être pas mal. Voilà, on peut le prendre comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire Dans la sélection des données, ici, on va rapatrier. Alors, regardez les étiquettes de l'axe horizontal. En réalité, on n'en a pas besoin, on les a déjà intégrées. Donc, ce que je vous propose éventuellement de faire, alors au niveau de la disposition, qu'est-ce qu'on peut euh, changer On peut éventuellement. Alors, regardons si nous avons les différents éléments qui peuvent nous plaire. Alors peut-être qu'on peut mettre une disposition. On peut éventuellement mettre une disposition comme celle-ci. Pour faire apparaître peut-être les éléments. Ça peut être intéressant à voir. On peut les mettre en gras. Voilà, comme ceci. On peut faire disparaître éventuellement euh, les axes. Les étiquettes, on les laisse. Alors la légende, voilà, comme ceci. On peut laisser les étiquettes de données. Hein. Là, on agrandit un petit peu notre graphique. On reste relativement simple dans ce que l'on souhaite effectuer. Voilà, on le met comme ça. On diminue euh, le tout. On place notre graphique dans l'emplacement prévu. Là, c'est bon. On le met là comme ça. Alors, je vais te mettre là. Voilà, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je fais J'enlève éventuellement mon contour. Sans contour. Donc voilà notre premier, euh, premier élément graphique hein, qui se place donc, dans notre zone. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors une fois qu'on en a fait un, c'est très simple, on fait les trois autres. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit CTRL-C, CTRL-V de ce graphique-là. Voilà, on le met ici. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on fait On va prendre, alors, on va sélectionner nos données. Voilà, donc série 1. On peut normalement la modifier, donc on n'est pas sur du B12 ici, on sera plutôt sur donc du B19. Alors on va modifier tout ça. Et ça sera, si je ne me trompe pas ici, voilà. Je sélectionne mes données, j'appuie sur entrée Alors, j'ai un problème de signe, c'est normal, il faut que je supprime l'ensemble des éléments comme ceci, allez. Voilà. J'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK. Alors, je n'ai pas d'éléments, pourquoi on va Vérifier tout cela parce qu'il n'a pas pris le bon format, c'est pas grave, on recommence. Sélection des données. Modifier. Je ne veux pas une seule ligne. Je reste là. Voilà, je veux tout ça. Alors je ne veux pas un seul. Je reste ici. Alors, je supprime supprimer. Voilà, je veux que tu prennes l'ensemble des éléments ici. J'appuie sur Entrée. Voilà, ça a marché. J'appuie maintenant sur Entrée. Alors regardez, il y a un petit souci. Au niveau ici euh, du format donc qu'est ce que je fais je sélectionne cette zone là je vais éventuellement dans format de cellule et à mon avis il y a eu un petit souci là dessus voilà c'est passé sur du euh, personnalisé donc on tout simplement on met du monétaire monétaire euh, classique et regardez on n'a plus de soucis à ce niveau là maintenant ce qu'on fait c'est qu'on le place ici voilà ce que je peux éventuellement faire c'est modifier alors modifier la couleur de remplissage donc ce que je propose de faire c'est de mettre zone jaune donc relativement classique donc là ça sera du jaune clair ensuite du jaune moins clair et encore moins clair tout simplement donc ctrl c ctrl v on répète la manip tout simplement donc là on va donc création de graphique sélection euh, des données hop on clique là dessus on supprime ce qui nous est proposé on fait une sélection ici voilà on appuie sur entrée Ok, on change le format. Alors un petit, euh, petit problème au niveau du format, on c'est pas grave. Hein. On appuie sur OK, on le change. De toute façon, on a le temps et on sait comment régler ces problèmes. Voilà, je le place donc dans la bonne zone. Voilà, comme ceci. Alors ça, maintenant, je vais le mettre dans un jaune un petit peu plus foncé. Voilà, pour faire. Un petit peu contraste avec le premier. Voilà, là on est sur du bleu, sur du jaune. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un petit contrôle C et on le fait encore une petite fois, tout simplement. Je veux que tu reviennes à ton état de base. Voilà, je veux te déplacer comme ça. Hop, je vais aller dans création de graphique, sélection de données, modifier. Je vais modifier toute cette zone-là en prenant cette sélection. Voilà. J'appuie sur Entrée. J'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK. Maintenant, je resélectionne ici. J'applique un format de cellule en monétaire. J'appuie sur OK. Voilà. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Je mets à présent mon graphique dans la zone prévue à cet effet. Hop. Je change la couleur. Voilà comme ça. Donc maintenant j'ai mes trois graphiques qui apparaissent. Donc on voit les différentes ventes et les différents achats qui seront donc à faire. Qu'est-ce que je peux faire Je peux éventuellement, alors plutôt que d'avoir du bleu, peut-être mettre du vert. Voilà, bon ça c'est pas c'est pas ultra essentiel, mais voilà donc comment faire notre petit euh, tableau de bord. Bien sûr, libre à vous d'ajouter encore d'autres éléments. Je vérifie que je n'ai rien oublié. J'ai l'ensemble de mes totaux ici, donc ça ne pose pas de problème. Là encore, alors ce qu'on peut faire, c'est voilà, pour cette formule là mettre une police blanche afin de la rendre invisible. Voilà, je retourne dans mon onglet paramètres et on a donc terminé notre petit budget de vente-achat. C'était tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker ma série de vidéos, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, en tout cas moi je vous dis merci et à bientôt pour un prochain tutoriel.